Salut tout le monde, c'est MLDG et Crawl pour vous servir. Bonjour tout le monde. Nous sommes à l'épisode 7 de The Legend of Zelda Oracle of Ages et Oracle of Season et nous allons prolonger notre aventure pour trouver la suite de l'aventure pour pouvoir terminer notre aventure. C'est exact, très cher. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Alors, à vos marques. Prêt. Top! Oh là là! Putain. Bon, alors. Maintenant, ce qu'on va devoir faire. Enfin, moi en tout cas, c'est d'aller chercher. Ah, faut peut-être que j'aille voir les gorons. Ça se trouve, c'est un truc à faire avec les gorons. Dégage! Si. Donc, on va aller voir les gorons. Faut que j'aille voir Bigoron. Bigoron. Oh. C'est le. La sorcière. Ah, toi qui voulais une potion. Ouais. T'inquiète pas, je vais la choper celle-là tout à l'heure là. Allez, clac. Oh, il y a un anneau. En plus, il y a Pédobir qui est là là. Il y a le singe qui. Non, sans déconner, j'avais peur qu'il y ait le cul du singe là. Quoi? Et non, on voyait le cul du singe. Mais bien, tu sais, c'est la partie sans poil, on la voyait bien avec la raie. J'ai jamais remarqué. Oh, bravo. Ah punaise, là j'ai le sens du détail. Ah il faut hein. Alors par ici il y a une grotte, donc on va positionner une bombe. Allez, je vais aller choper mon arbre là. Le Niafango. L'arbre à branlette. Par contre, souvent l'éléphant se branle contre le tronc d'un arbre que les indigènes appellent le Niafango, l'arbre à branlette. Putain. On rappelle que c'est un arbre à branlette pour les éléphants. Oui. Le Niafango. Oh putain. N'importe quoi. Wow. Et quelquefois, l'éléphant pète. Ce qui amuse ses congénères. Oh putain. Oh, je vais mourir. Putain, j'ai passé une semaine à la regarder du coup. Hein. Oh putain, j'ai failli mourir. Il me reste un 3 quarts de cœur. Papa, comment on fait les bébés? Oh. Oui, vas-y, change ma boîte à anneaux. Merci. D'ailleurs, je commence à être full rubis, donc il va falloir que je pense à... Tiens, dis-moi, sur une boîte à anneaux, on peut quand même pas emporter plus d'un. C'est, t'as une boîte à anneaux qui peut en contenir plus, mais tu peux pas les porter tous. Ouais, tu peux pas en porter plus. Ouais. Putain, je me suis encore fait feinter avec la sorcière. Ouais. Mais bonjour les gorons. Donnez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Ah, que dalle. Ah, une fée, c'est encore mieux. Vous êtes généreux. Je lui donne mon ukulélé. Et voilà, j'ai l'épée niveau 2. Mais elle est cassée. Ah, c'est con. Ouais. Bah moi je vais échanger mon pot en fer, enfin, mon pot de lave, ma soupe de lave, contre un pot goron. Voilà, vase goron. Vase goron que je vais échanger à un collectionneur qui va me donner un poisson, qu'il va falloir que je donne à un mec qui va me donner... Je ne sais plus, on verra. Ah, c'est embêtant. Je sais à qui il faut le donner, mais je sais plus qu'est-ce qu'il me donne. C'est juste ça. Hop, magie. Voilà, il est là, le singe, avec son petit cul. Oh, ouais. Sale. Il est sale, c'est ça, le singe. Bon, par là, on peut pas passer. Ah, je peux aller me faire le... Le Moblin. Le roi Moblin. On va se le faire, il va me donner un quart de cœur. Hop là, c'est pour le petit monkey. On va réparer l'épée. Bon, on va peut-être pas passer par là. C'est pas ça que je voulais faire, merci bien. Bon. Ok. Ça me fait penser que je suis jamais retourné à la tour sombre. Je sais pas s'il y a des choses intéressantes à y retrouver, mais... Non. Non, t'avais juste la pelle à récupérer dès le début, ouais. Mais c'est tout. Ah, justement, parlons de pelle, il me la faut. Clac, clac. Voilà. Clac, clac. Clac, clac. Entre les clacs et les pierres les pipis. Ah oh, putain. Il y a fait toujours ces pierres les pipis ou. Ça lui arrive. Ça lui arrive.
Déjà, je vais récupérer le quart de cœur qui est là parce qu'il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Si j'y arrive. Est-ce que par là je peux? Oh oui, je peux. Oh, je ne peux pas. Ah, c'est con ça. Dégage, dégage. Ok, ah, ça se trouve, il faut mettre l'hiver. Ok. On va voir si c'est ça. Hop. Ok. Alors, ah non, c'est une fée. C'est une vulgaire fée. J'en ai rien à faire. Ah, du coup, on va mettre le printemps, là. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y a pas le système des bocaux pour transporter des fées avec nous. Ouais. C'est vrai que c'est dommage. Parce que moi, ça m'aurait bien aidé, là. je suis quand même dégoûté. Enfin bon, j'en aurais fait des fails, hein, mais bon, pas aussitôt, quoi. Ouais. Ok, quart de cœur. Il va m'en manquer un pour avoir un réceptacle en plus. Hop. Du coup, je vais pas me casser la tête, je vais prendre les graines vent. Let's go. Direction l'arbre avant la saison. Suffisant. Ouais. Allez, viens là, salope. Oh. Pardon. Oh, le mec. Ah, putain, non, je suis dégoûté. Tant de violence. Elle a lâché un anneau, il tombe juste devant elle, quoi. Vas-y, je me casse pour la peine, je peux pas. Non, tu peux pas, c'est ça qui est chiant. Tu sais, quand t'es énervé, t'as envie de te barrer, tu peux pas. Ouais, tu regardes tout pillé. Ah, je t'ai bien boulé, ouais, ça, c'est moi qui vais te bouler tout à l'heure. Allez, tu vas prendre mon vase gouron, ok, ok. Bon, tant Merci pis. Merci pour ton repas, il me donne du poisson. Je lui donne une pièce de collection, il me donne du poisson. Oh bah, c'est gentil, tiens. Aucun respect pour... Ah, c'est clair. Pour autrui. Allez, chute de pierre, on s'en prend une ou deux dans la gueule. C'est le rituel, hein. Voilà, une. De toute façon, ça, tu peux pas les esquiver. Hein. Ah, oh, si, 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 si. Ah bon? Ah oh, oui, non. Oh, putain, oh, jolie, celle-là. Oh, oui, elle passe au-dessus de toi. Ouais. Donc, celle-là, par contre, en plein dans la gueule. Ouais. Ça aurait été marrant, quand même, que tu lâches prise. Non, je ne trouve pas. Un peu. Allez, on va suivre le vieux... les garnis. Il a des faux airs Alcogan, quand même, hein. Le gros nez, le crâne dégarni, les cheveux longs, la moustache. Bon, allez. Allez, à nous deux, roi Moblin. Allez, viens là. Ok, l'esquive. Le sale mioche est revenu. Je suis revenu. Mais non, j'ai appuyé sur le bouton. Oh, je me suis fait avoir. Boum. Oui, je veux continuer, je veux refaire, je referai ça jusqu'à là. Parce que là, hop. Allez, venez là, bande de. Boum! Boum! Oh oh, t'aimes ça, hein? Putain! Ça arrive. Mais non, mais j'arrive pas à chaque fois que je me pose sur le bouton, il y a un putain de poulpe qui a me bousculé là. Ah! Un poulpe à casque, je sais pas comment ça s'appelle, c'est machin encore. Ah, je sais plus comment le vaincre ce con. Parce que je crois qu'il y a une méthode. Voilà, ah voilà, c'est ça. Ok. Super. Ok, parfait. Ok, vas-y, va-t'en. Donne-moi mon épée. Et voilà, un quart de cœur, ça me fait réceptacle en plus qui fait que j'ai un. Bah réceptacle en plus, voilà. Tout bêtement. Donc maintenant Cassos. Ah ouais, je peux péter les jarres maintenant avec mon épée. Sérieux? Ça c'est classe. Ah c'est vrai que t'as l'épée niveau 2. Putain, mais t'as déjà fait toute la quête des objets? Eh bah ouais mon pote, ça y est moi, hein. Sérieux? Oh le mec. Faut arrêter d'aller aussi vite, hein. Mais non, mais c'est pas que je vais vite, mais c'est que c'est comme ça que ça doit se passer dans le jeu. C'est... Ouais, c'est ça. T'as le mec, ouais, c'est comme ça que ça doit se passer dans la vie. Cherche pas. Et du coup maintenant je sais même plus où est-ce qu'il faut que j'aille. je t'ai déconcentré là. Bah ouais, un peu, ouais. J'avais dit qu'il faut que je récupère l'automne, mais pour récupérer l'automne. J'ai récupéré la graine braise. Allez, maintenant on va aller voir les. Je ne sais pas. Je crois que par là je peux y aller.
Roulement de roche. On revient au village, d'ailleurs, on va faire évaluer nos anneaux. Roule roche. Wow. Des anneaux intéressants. J'en ai trois. Alors, ça c'est quoi l'anneau Moblin? Je me transforme en Moblin, c'est super. Ça c'est l'anneau Jolifer. Nanana. Ok, on s'en fout. Et ça c'est l'anneau Protection. Toujours un seul cœur de dégâts. Ouais, c'est plus ou moins bien ça. Ouais, bah oui. Parce que, ok, t'as des monstres qui te font plus d'un cœur de dégâts, mais t'as des monstres qui te font moins d'un cœur de dégâts. Et du coup, bah tu te prends quand même un cœur de dégâts. Ouais. Pardon. Oh! Le petit rototo qui sort tout seul. Ouais. Sérieux, je sais plus où il faut aller. Faut que j'aille récupérer l'automne. Et pour récupérer l'automne, il faut que j'aille récupérer un choupetteur. Et pour récupérer le choupetteur, il faut... Ah, je sais plus. Bon, je vais en avoir un choupetteur, moi, si tu veux. Tu peux te le garder, hein. Ouais. Je sais plus. Follow. Déjà, non. Agacha, donne, donne. Oh, une potion! Oh, le bâtard! Dans une noix gacha. Ah, ouais, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait des potions là-dedans. Bah, peut-être que je vais chercher les miennes, en fait. Hein. Bah, ouais, ce serait pas mal. Hein. Bandai, bandai! Ah, le poisson! Ah, c'est classe d'avoir un anneau qui augmente ta force, plus l'épée niveau 2. C'est... Tu les one-shot, les gens. Bah, oui. Allez, hop, je te donne le poisson. Oui, vas-y, prends le poisson. Le merveilleux poisson. Oh, tu me donnes un porte-voix. Porte-voix, va falloir que je crie dedans pour réveiller un mec. Là où j'étais tout à l'heure. Et je baille en même temps, moi, ça va pas. Oh putain, tu me fais bailler. Bah, mette. Ta-ta-ta-ta-ta. Je crois que je peux y aller direct comme ça, non? Je vais regarder. Mais c'est par là-bas qu'il faut. Ah, c'est par ici? Oui, c'est par ici. Génial, je peux y aller. Ces têtes qui sont. Une fée. À moi la petite fée. Et ouais, super, j'ai les graines Pégase. Choupetteur, je crois qu'il est là-bas. Hop là. Oh, c'est chaud ce que je fais. C'est chaud. C'est chamé. C'est chaud. Je suis au-dessus de la lave là. Wesh. C'est hoche. C'est hoche. Wesh. Putain, c'est vraiment un langage de merde. Ouais. Ok, Choupetteur, il est là. Ça, c'est du verlan. Enfin, wesh, par contre, non, c'est même pas du verlan. C'est... Et récupère-le. Chaou. Ok. Chaou. C'est même pas du verlan. De quoi? Wesh. Ça veut rien dire en fait. Wesh, ça veut rien dire. Comme les mecs qui font si si bien ou quoi. Ok, vas-y, fais-moi une traduction française de ce que ça veut dire ça. Si si bien ou quoi? Princesse Sissi déjà, ça a peut-être un rapport. Ouais, donc en gros les mecs sont un peu gays sur les bords quoi. Ah oh, mais ouais, mais ils sont tous gays entre eux les... ces gens là. Oh, c'est méchant! Non, c'est... Oh putain, j'ai plus de graines braises! De graines. Pas de graines braises, mais. Pégase! Ouais, comment je fais pour passer? Putain! Oh non! Ah, je calme-toi avec tes bombes là, Dino Croco! Est-ce qu'il y en a là-dedans? Non, il y en aura pas. Hein. Tiens, mange-toi ça! Yeah. Oui, j'y suis passé! Ça j'ai pas sauté cochère. Deux trous quoi! Sans graines! T'inquiète. Tiens, mange ma grosse bombe. Attends, c'est par là-bas qu'il faut que j'aille. Où est-ce que je vais là? Hop là. Ah, fais péter Choupetteur. Alors, je sais plus si c'est à gauche. Ah, encore l'arbre Beaujou qui aime casser les noix. Ah, bah l'arbre Beaujou tout le temps. Ok, c'est pas ici. C'est à droite. Ah, c'est par-dessus, exact. Ok. Bonjour, messieurs. Oui, je te donne un choupetteur. Voilà, tu fais tout péter si tu veux. Ah, c'est cool, ça. Merci.
Ok, il a tout pété, il est content, mais il va pas regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi. Ok, bah si tu veux. En attendant, je vais récupérer l'automne. T'auras toutes les saisons ? Ouais. Toutes les saisons seront dans mon sceptre. Dans ton gros sceptre. Exactement. Je vais faire pleuvoir un arc-en-ciel quand je vais cracher. Non, non, non. Avec mon sceptre. Non. Il y a un anneau. Ouais, faites l'évaluer plus tard. Je sais pas si je le ferai ça. Parce qu'il m'intéresse. Les évaluations ? Ouais. Ah si, moi je les ai fait évaluer quand même, parce que bon, il y a des anneaux sympas, même si pour le moment j'ai chopé que des anneaux de merde. Voilà, n'est-ce pas ? Hop. Ok. Oh, putain, je suis obligé de gaspiller mes bombes pour cette merde. Ça va ? Je suis en train de faire les petits cris du mec de How to Basic. Connais pas. Tu connais pas ? Non. Oh. Saute les deux trous. Saute, tu peux le faire. Mais saute. Oui, tu l'as fait. Bravo. Bravo, petit lutin des bois. Ok, bon, la porte est là-bas, sauf que, bon, bah... Je suis passé à côté. C'est pas grave. Par où faut que je passe ? Il me semble que c'est quand même là. Bon, bah, du coup, vu que je peux me diriger direct vers le prochain donjon et qu'on a encore du temps, je vais d'abord m'occuper des objets. De la quête des objets. Comme ça, c'est fait. Alors, on va d'abord se téléporter à l'arbre à graines Pégase. Parce qu'on a encore le temps, parce que moi, je suis bientôt au 4e, au 5e, là, en fait. On est à 17 minutes. Oh, bah ouais, c'est bon, j'ai eu un peu de temps, alors, de faire mon petit parcours. C'est bon, t'as un peu le temps. Ouais. Putain, c'est passé vite, quand même. Ah, ça passe très vite, hein. Dire des conneries, aussi, hein. Oui, c'est vrai. C'est calme là. Y a pas une mouche qui pète quoi. Ah là 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 là. En même temps, y a pas grand chose à dire. Hein. Non. Je suis en train de massacrer du chip. Moi j'ai fait péter un choupéter. Et j'ai eu la clé pour le 5e donjon. Fort intéressant tout ça. Moi c'est avec le sceptre des saisons, avec l'automne que je peux accéder au prochain donjon. Mais là, tout de suite maintenant, je vais d'abord me diriger vers la quête des objets, parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Enfin, pas mal de choses, non, j'ai plus grand chose à échanger en fait. C'est les Gorons, les petits bonhommes. Voilà, je vois pas où t'es donc. Ouais, mais il y en a plus là. Mais c'est les petits bonhommes. Oui, c'est les Gorons, je vois où t'es, c'est les Gorons. Et les Bigorons, c'est quoi déjà ? Bigoron, il y en a qu'un seul, c'est le grand, le plus gros goron de tous les gorons des gorons. Moi je l'ai croisé. Ah oui non, le Bigoron, ouais c'est celui qui est au sommet. Ok. Oh j'ai crié. Ok, il m'a donné un champignon bizarre. Par contre j'ai un trou de mémoire. Et normalement le champignon. Je crois qu'il faut que je le donne à la sorcière. Ah t'as les champignons ? Ouais j'ai un champignon. Je sais pas mais si j'ai ça des objets, aussi. Hein. Ah oui, d'accord. Ah bah t'as raison. Donner la sorcière, on va voir si ça. Oh. Je sais plus. C'est quand même incroyable hein, d'avoir déjà terminé le jeu, de plus s'en souvenir. Faut dire que quand j'ai joué au jeu, pour le terminer, je jouais avant et j'analysais mon chemin. Comme ça, je savais exactement ce que je faisais. Ouais. Et c'est beaucoup plus sympa à suivre. Enfin, du moins pour un WT. 100%. Mais t'aurais pu regarder ton WT du coup pour refaire ton. Enfin, oui, épisode. J'aurais pu, oui, mais. Je le regarde pas. Ok, m'a changé un oiseau de bois qu'il va falloir que j'échange avec l'horloger. On s'approche de la fin de la quête des objets. Le problème, c'est que moi, l'épée niveau 2, je peux l'avoir qu'après le 6ème donjon, quoi. Ou le 5ème. D'accord. Je peux pas l'avoir avant. Et ça, c'est un petit peu de la baise, moyen. Bah, moi, je dis top, du coup. Ok. Ah, bah, t'arrives au donjon. Bah, ouais. Le donjon couronne. Bravo. Bon, bah, moi, je vais terminer les échanges. J'en ai plus beaucoup à faire. Hop. Il va me donner, voilà, de la glace à moteur. Il va me donner un phonographe. Et le phonographe, c'est le dernier rejet de la quête des objets.
coup, ça va. On a 20 minutes. Ah ouais, ça va. Il n'y avait pas un passage secret quand tu creusais derrière la bijouterie ? L'horloger, si. Mais il est utilisable seulement quand tu... avec les codes Link. Ah. Ah oui, c'est vrai. Oh, puis qui s'arrête. Ah, il y a un quart de cœur ici. Oh, je l'avais zappé, dis donc. Je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher. Rouge. Donc, pour aller le chercher, il faut que je mette aïe. L'hiver. Exact. Ah, oh, j'ai bonne mémoire. Hein. Bouge. T'es énervant, lui. Oh, pourquoi tu... Reprends l'épée. On lui donne la graisse à moto. Oh, puis il y avait Maple qui passait en même temps. Oh. Enfin, là, par contre, t'étais mal barré. Bah là, ouais, j'étais un peu mal, ouais. Ok. Ouais, ouais, bah, par contre, t'as beaucoup de rubis, hein. Hein? T'as beaucoup de rubis. Ouais, j'en ai récupéré pas mal, ouais. Bonjour. Allez, yep. Ça va plus vite, hein, ça va plus vite. Et voilà, le phonographe, c'était le dernier objet que je devais récupérer. Et du coup, on va se rediriger vers... vers le cinquième donjon. Qui est pas loin du village. Ah oui, il est... Ah non, non. Tu t'en souviens plus, hein? Non, plus vraiment. Ce donjon-là, j'ai galéré pour trouver comment il fallait y aller. Je m'en souvenais plus du tout. Et en fin de compte, c'est par ici. Là, il y a le premier à gauche. Ouais. Et à droite. Par ici. Ah, ah. Ah oui, je m'en souviens. Avec tous les pics, là. Ouais. Ça, c'est une grosse carapace plein de pics. Ouais, en gros, c'est ça. Il faut mettre l'automne pour pouvoir... soulever les champignons. Ouais, c'est ça. Oh, la mémoire. Voilà. Ok, ça dégage, ça. Oh, là, si tu creuses, je parie qu'il y a une terre fertile. Ouais. C'est pas grillé, c'est déjà. Ok. Nice. Et top. Bon, bah, écoutez, bah, voilà. Les amis, on se quitte. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Donc sur ce, bye. Bye.